voudrais vous parler d'un film qui est en compétition officielle au Festival de Cannes 2013. Ce film est intitulé Le Passé. Il est réalisé par Asghar Farhadi, un réalisateur iranien qui fait là son premier film en France et puis en langue française. Dans le film joue Bérénice Bejo, une actrice française qui est de plus en plus connue, notamment depuis qu'elle a joué dans The Artist aux côtés de Jean Dujardin. Alors moi, j'ai pas vu le film, j'ai juste vu la bande-annonce et franchement, elle donne très très envie de découvrir l'histoire, le mystère qui plane dans cette histoire. Et cette histoire, c'est celle de Marie, une jeune femme française qui est séparée, qui a des enfants et qui a refait sa vie avec un autre homme, plus jeune. Et l'histoire semble se dérouler au moment où son mari iranien revient en France pour le divorce. Avec son ex-mari, elle a conservé visiblement de bonnes relations. Mais par contre, on remarque nettement qu'elle a des relations très conflictuelles avec sa fille, adolescente. Et j'ai en fait l'impression que le père, l'ex-mari, va aider son ex-femme à rétablir des relations saines avec sa fille, des relations saines au sein de la famille. Et dans l'histoire, il y a la révélation d'un secret. Je sais pas du tout lequel, la bande-annonce reste assez mystérieuse, mais justement, c'est tout à fait cela qui donne envie de découvrir le film, de le voir et de comprendre ce qui se trame dans cette histoire.